Oui, un petit délice, enfant béni de Dieu, je vous laisse guérir. Oh, comme les fesses. Yeah, comme les... Oh, le Ougouaza. Eh, mon bro. Petit délice. Le gars, c'est là. Yes, gars, t'as dit quoi? Tu as encore pris le poids. Gars, laisse, je pompe chaque jour. J'ai fait aussi sport, mais gars, c'est dans le sang. Il y a des bonnes choses là, déjà. Ah, gars, laisse, gars, c'est... tu parles comme ça, mon frère? Je veux manger ici, au restaurant. Ah, chez la femme qui est là-bas, en bas. Mm-hmm. Gars, tu m'invites? Non, pas, non. Eh, hey, mon gars, tu es le gars, c'est l'homme. Tu dis que toi, non, tu es un gars free. Yo, I wear the music there. Yo, give me the music, man. Let's go make a slide, yo. Yeah. You're from Africa. Iki. On sent que tu avais vraiment faim. Hein? Yeah. Yeah. Il était toujours que ton gueule là. Tu ne doubles pas la bière. Oui. Oui. Serveuse, pardon, une bière de plus. Une bière de plus, serveuse. Je t'ai toujours dit que toi, non. Les gens disent au casier que tu es un gars cinglé, que tu n'as pas tes sens, mais c'est que tu es un gars bien. Voilà. Ils vont reconnaître ma valeur un jour. Tu es un gars bien. Ah. Merci, hein. Que Dieu te bénisse. Pardon. C'est petit, ce n'est pas beaucoup. C'est petit. Moi, ça c'est quoi? C'est comment? C'est la facture, non? Et pourquoi tu déposes ça devant moi? Il faut poser devant toi, c'est toi qui payes. Attends, Il faut que je t'explique. Tout à l'heure, quand je descendais, tu m'as vu, tu m'as demandé que Waza, tu pars où? Je t'ai menti en te disant que je pars manger. Tu m'as demandé que je te suis. J'ai dit oui, parce que je ne voulais pas que tu saches que je suis en train de te mentir. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes arrivés, j'ai demandé à ce qu'on nous serve deux plats pour te prouver qu'en réalité, je ne mentais pas. Non, Waza, tu m'as menti. Ce n'est pas moi qui dois payer. Je suis venu manger à ton compte. À mon compte comment? Oui, je n'ai pas l'argent pour payer. Attends, c'est pour ça que tu as commandé encore une deuxième bière. Justement, je savais que c'est toi qui portes. C'est toi qui dois payer. Non. C'est toi qui m'as invité. Non. Sauf que je ne dis pas le contraire. Mais c'est toi la star. Et c'est toi qu'on connaît dans tout le quartier ici. Faut pas salir ton nom en disant que on dise partout que petit Nili s'est venu manger, il n'a pas payé. Si ça dépend que de moi, on ne peut pas me servir. Si je venais seul, on n'allait pas me servir. C'est pour ça que je suis venu avec toi. Ben, il savait que tu allais me faire la couverture. Maintenant, tu vas alors faire comment? Comment? C'est toi qui m'invites et si tu veux que c'est moi qui paye, prends la facture, tu dois payer. Sauf que mon invitation, c'était un mensonge. Et toi, tu as bien dit, c'est là que tout le monde dit au quartier que je suis un gars cinglé. Donc du coup, il faut que tu te débrouilles à payer la facture. Moi, je veux payer en nature, je veux faire le ménage. Donc, tu vas gérer ça. Attends, Waza, attends, Waza. Il y a le balai ici. Attends, Waza, tu es sérieux que c'est moi qui dois payer? Pour faire le ménage, attends, je viens t'expliquer. Attends, tu es sérieux, Waza? Je n'ai pas l'argent, je suis artiste, mais je ne suis pas venu avec l'argent. Parce que, en réalité, je n'ai pas l'argent. C'est toi qui m'as abordé. Laisse ça. Moi, je faisais même l'effort de croire à tout ce qu'on disait de ton passé, c'est que tu es mon ami. Ah bon? Mais je constate que tu es zéro, tu es nul. On est haut, Waza. Donc, les autres te parlent du mal de je moi. M'en toi, tu décides de refuser. C'est toi qui es fautif. M'aborde, tu vois là maintenant que c'est toi le mauvais nom. Tu as payé ta facture, tu n'as pas payé pour moi. Travaille, Il faut travailler. Mais est-ce que j'ai dit que ne travaillais pas? Travailler donc. C'est quoi?